Marion Philippe, who just also completed her dissertation, Sexualité et Masculinité à Paris, 1600 to 1750, under Sylvie Steinberg at the École des Hautes Études. And I believe she's going to defend in the next week or two. Yes, three weeks. She's published several articles on sexual power and marriage, including one in Clio in 2020 on sexual violence in marriage, which is a wonderful article, and I recommend it to you all. Thank you very much for the invitation. I will speak French because I'm Canadian, obviously. So, c'est pour ça aussi que j'ai fait un PowerPoint pour les sources, pour être plus clair. Donc, ce tour de table sur l'histoire du consentement sexuel qu'a organisé Nina Kuchin et que je remercie, me permet de vous présenter certaines de mes réflexions que j'ai abordées à ce sujet dans la thèse que je viens donc de rendre, réalisée en co-direction à Sorbonne Université et à l'EHESS. Ma perspective reste donc celle de mon travail doctoral dans cette présentation, à savoir celle d'une histoire sociale des masculinités et de l'hétérosexualité au XVIIe et au XVIIIe siècle. J'y ai développé une réflexion sur le consentement sexuel et sur les violences sexuelles en me posant notamment deux questions principales, à savoir d'abord comment les hommes, pendant la période moderne, reçoivent-ils le désir féminin et son absence? Quelle place est accordée au consentement féminin dans les relations hétérosexuelles de la période? Ma volonté était en effet d'évaluer la sensibilité des hommes au consentement sexuel féminin. Enfin, lors de cette thèse, j'ai également beaucoup réfléchi à ce que je devais faire des récits de violences sexuelles, de ce que nous qualifierons en tout cas aujourd'hui de violences sexuelles sans sourcil. Peut-on utiliser par exemple le terme de viol quand les principaux concernés, les parties des procès que j'étudie, n'utilisent pas le terme de viol? Donc là, voilà, il faudrait faire un petit retour sur ce que la méthodologie historique nous permet de faire avec ces formes d'anachronisme, en tout cas ce qu'on pourrait qualifier comme anachronisme. Donc la méthodologie historique nous invite à ne pas plaquer nos sensibilités contemporaines sur le passé. Elle peut cependant, grâce à ses sensibilités et ses réflexions nouvelles, comme ici les apports de la quatrième vague du féminisme ou du mouvement MeToo, poser de nouvelles questions sur le passé et sur la documentation dont nous disposons. Ainsi, j'ai réalisé un pas de côté en me demandant avant tout qu'est-ce qui pouvait être considéré comme violent dans la sexualité sous l'Ancien Régime, pour les contemporains et pour les contemporaines. Et c'est grâce à cette problématisation qu'on se débarrasse de cette suspicion d'anachronisme qui est parfois un peu gênant dans nos travaux, notamment sur l'histoire du genre. Donc je vais essayer d'aborder ici, de réfléchir à ces questions-là, d'aborder peut-être quelques réponses que j'ai pu utiliser, avancer dans ma thèse, à ces questions de consentement, avec quelques exemples issus de mes recherches doctorales, de mes corpus de sources, pour alimenter aussi la réflexion et les débats qu'on pourra avoir ensuite ensemble. Et puis je finirai sur une question que j'aimerais poser, voilà, un peu plus théorique, afin d'engager aussi ce débat entre nous. Donc il me faut rapidement présenter, avant de commencer point par point, hein, ma petite présentation, présenter rapidement mes recherches doctorales, un petit peu les exemples que je vais apporter. Donc mon terrain d'étude, c'est la ville de Paris et ses campagnes environnantes. Pour réaliser une histoire des sexualités masculines, je me suis concentrée sur ce terrain parisien et sur des sources qui sont très utiles pour les documenter, celle de l'officialité parisienne. Donc l'officialité parisienne, c'est une cour, c'est le tribunal ecclésiastique de la ville de Paris. Ce qu'on appelle en fait, en Angleterre, par exemple, les Church Courts.
Donc dans ce fonds judiciaire, je trouve des affaires patrimoniales, mais aussi des affaires disciplinaires ecclésiastiques, qui forment trois dossiers principaux sur lesquels je travaille. D'abord, les procédures de nullité de mariage pour impuissance sexuelle. Ensuite, des affaires de séduction. Le terme exact, c'est des demandes en exécution de promesses de mariage non tenues, suivies de copulations charnelles. Et puis ensuite, j'étudie aussi les affaires disciplinaires ecclésiastiques où on trouve la sexualité de clercs. Donc j'avais ici affaire à trois masculinités différentes, trois profils de sexualité aussi et des âges différents, puisqu'on a des hommes mûrs, plutôt des maris d'âge mûr, on va dire, deux jeunes hommes célibataires qui sont dans ce corpus de séducteurs, et puis enfin des ecclésiastiques de tout âge, vous pouvez retrouver. Ensuite, à côté de cela, j'ai utilisé aussi des sources complémentaires, je vais très vite, hein, parce que je ne vais pas vraiment les utiliser, mais un ensemble de sources aussi séculières, et des sources normatives, de l'iconographie, des chansons, des proverbes, qui me permettent aussi d'étudier les représentations vis-à-vis du consentement sexuel. Ma période d'étude et le sondage que j'ai pu réaliser dans ces sources judiciaires, c'est entre 1600 et 1750, pour vous donner un petit peu. Donc grâce à ce corpus composite, une méthodologie à la fois quantitative et qualitative, j'ai pu développer une réflexion sur la réception masculine du consentement sexuel féminin. Donc d'abord, je voudrais analyser un petit peu quelles sont les réactions masculines face au désir et à l'initiative sexuelle féminine, puisque le consentement, c'est aussi un consentement positif, donc il faut aussi penser à cela, pour ensuite aborder la réception de la résistance sexuelle féminine par les hommes. Afin de respecter le temps imparti et vous apporter des exemples concrets, je vais me concentrer sur la sexualité prénuptiale, donc les dossiers de demande d'exécution de mariage non tenu, suivi de copulation charnelle. Donc, premièrement, nous allons un petit peu approfondir cette question de comment les hommes réagissent face à l'initiative sexuelle féminine. Donc en explorant les discours des célibataires qui étaient impliqués dans ces affaires de séduction devant l'officialité parisienne, j'ai constaté que les attentes qu'ils portaient sur la conduite sexuelle des femmes avec qui ils envisageaient le mariage étaient très normatives. Donc elles doivent rester passives, donner l'illusion d'une forme d'ignorance sexuelle en matière de sexualité, notamment si elles sont filles. Hein, parce qu'une veuve, on sait que normalement, elle a une forme d'expérience. Ces attentes dénotent en tout cas une volonté masculine de s'assurer de la moralité, de la fidélité future de leur accorder. Une fille qui s'offre, au contraire, volontairement, qui par ses gestes laisse présager qu'elle a une expérience sexuelle, qu'elle a de forts désirs, se trouve dévalorisée dans la plupart des cas. Je vous donne un exemple pour illustrer cela. En 1619, François Thibault, qui est un compagnon maçon de 31 ans, envisage de se marier avec Gillette Piau, qui est la fille d'un huissier et sergent du Châtelet qui est décédé depuis peu. Elle habite au même logis que lui et ils entament des négociations de mariage. Les deux familles ne s'accordent pas pour une question d'argent. Pourtant, Gillette continue à solliciter François et elle ne cesse ses fréquentes visites d'amitié chez lui, venant le chercher dans son atelier et même le conduisant jusqu'à sa chambre. Elle veut rentrer avec lui dans sa chambre. Or, une fille à marier ne doit pas s'aventurer ainsi seule dans la chambre d'un homme, d'un jeune homme célibataire. Pour François, si elle le fait, et si elle lui fait tant de caresses, je cite, à cette occasion, c'est qu'elle désire qu'il lui fasse l'amour. Je cite l'interrogatoire de François Thibault pour illustrer un petit peu l'ambiance un peu de cette conversation avec l'officiel. Donc, pourquoi ne l'a renvoyée, c'est la question de l'officiel, lorsqu'elle est venue dans sa chambre sans jouir d'elle. A dit qu'il l'a reconnue de bonne volonté et qu'il a pris l'occasion, et le sujet se présentant leur à lui. Si c'est pas lui qui l'a fait venir en sa chambre, ce à quoi François répond, a dit que non, et qu'elle est venue volontairement, et qu'il n'a joui d'elle que après le refus qu'il lui a fait de lui bailler en mariage. Donc là, il rappelle que alors que la promesse de mariage n'est plus valable, en fait, elle a quand même insisté pour avoir une relation sexuelle avec lui. Donc la jeune fille s'est livrée à lui
plus. Son comportement pendant l'acte lui a paru suspect. On continue l'interrogatoire. S'il la tenoie pas pour fille de bien lorsqu'il a joué d'elle, une question assez classique dans ses procédures, il répond, a dit que non, trop bien, lorsqu'il a fait demander un mariage, et que lorsqu'il a joué d'elle, charnellement, serait été en la chambre de lui répondant, tout debout. En quoi il l'a reconnu qu'elle était, qu'elle nettoie à bon histoire, fille de bien. Donc là, dans cet exemple, on voit que une première fois avec, avec sa future femme, potentielle femme, ne peut pas se faire à l'initiative de cette dernière debout dans un coin d'une chambre, alors que le lit se trouve juste à côté. La lubricité d'une telle posture ne peut venir, selon lui, que d'une débauche passée. Ce que François peut initier, lui, de son côté, et vivre sexuellement en tant que célibataire, est interdit ici à Juliette. On voit bien ici le couple standard qui régit la sexualité. La stratégie défensive de François ne convainc pourtant pas l'official qui prononce le 7 septembre 1719 une sentence le condamnant à accomplir les promesses de mariage. Pourtant, François utilise ici des codes qui lui permettent de salir l'image de sa promise auprès des juges. Donc on voit à quel point cette initiative sexuelle féminine pouvait être décriée. Et à l'opposé, je trouve beaucoup d'exemples d'une valorisation dans les discours des jeunes hommes qui, cette fois-ci, veulent se marier avec leur promise. Ce qui est le cas aussi dans ces affaires-là, où les parties utilisent la procédure pour contrer l'autorité de leurs parents. Et bien souvent, leur discours peut être aussi de défendre la moralité de leur promise en montrant qu'elle s'est donnée qu'à eux, à la suite d'une insistance assez prononcée de leur part. Donc ils vont valoriser aussi cette résistance féminine de la part de leur futur. Enfin, ce que j'ai pu également aborder et montrer, j'espère, dans mon travail doctoral, c'est que le rapport des hommes et plus largement de la société parisienne, disons, au comportement sexuel des femmes célibataires, a évolué au cours de la période que j'étudie. On peut lire cette évolution paradoxalement en analysant les discours des filles séduites qui adaptent leur récit dans ces procédures aux représentations majoritaires des rôles sexuels féminins. En effet, les femmes séduites qui ne traduisent dans leur interrogatoire et dans leur requête aucune résistance et qui acceptent en fait les initiatives sexuelles masculines, qui n'emploient pas le champ lexical de la contrainte, de l'importunité masculine, de la surprise ou de la violence, sont en minorité dans le corpus, mais elles se concentrent sur la première période sur la première moitié du XVIIe siècle. Et petit à petit, en fait, on perd un peu ces témoignages-là. Donc, ces femmes sont beaucoup moins attentives au début du XVIIe siècle, sont moins attentives à remplir cocher toutes les quatre cases de la fille par honnête, on dirait, tous les critères qui permettent d'assurer au juge de leur honnêteté. Quelques-unes reconnaissent même qu'elles ont été connues avant de recevoir des promesses de mariage non tenues, ce qui est quasiment impossible pour les jeunes filles à partir de 1670. Parce que voilà, ça remet en question la légitimité aussi de leur revendication. Des discours de résistance et de violence sexuelle se multiplient aussi au cours de la période dans un mouvement parallèle. Donc cette analyse quantitative des discours, des types de discours féminins, permet de montrer aussi que le cadre culturel change un peu et que l'initiative et le désir sexuel féminin d'une femme non mariée est de moins en moins toléré au cours du français. Passons cette fois-ci aux réceptions masculines de la résistance, cette fois-ci sexuelle féminine. Qu'en est-il quand les femmes célibataires respectent leur rôle sexuel et adoptent une position de résistance aux initiatives sexuelles masculines? Malgré la valorisation de ce comportement par les hommes, l'absence de consentement féminin est-il vraiment respecté par ces derniers? Dans les demandes d'exécution de promesses de mariage non tenues, nous trouvons de nombreux récits féminins de violences sexuelles. Les requérantes décrivent une variété de comportements sexuels féminins qui forment un continuum de la sollicitation
jusqu'au viol. La plupart des séducteurs, sous promesse de mariage, sont décrits comme très insistants, persécutants ou poursuivants. C'est vraiment les mots qu'elles utilisent, leurs promises. Parfois même usant de contraintes, de surprises, de force ou de violence pour obtenir ce qu'ils désirent. Les stratégies utilisées pour les contraindre montrent parfois même de la préméditation. Certains promis vont user de drogue, donc, je rejoins aussi par rapport à l'épisode du verre de vin, puisqu'il y a de la drogue, de l'alcool. Ils utilisent aussi la surprise en isolant leurs promises dans des lieux isolés, en la surprenant dans son lit alors qu'elle dort, etc. etc. Donc, un ensemble de comportements que nous qualifierons aujourd'hui de viol et qui n'est pas qualifié et identifié de cette façon par les femmes qui s'en plaignent. Mais elles parlent quand même souvent de force et de violence, de traumatisme même, c'est-à-dire je n'ai pas voulu le voir pendant des semaines après ça. On peut le lire en tout cas dans leurs témoignages, les traumatismes qui peuvent être liés à ces éléments. De même, celles-ci féminins, qui décrivent l'usage de la force, de la contrainte, de la surprise par les hommes, n'entraînent aucune réaction spécifique de l'officiel dans l'exercice de ses fonctions. Il ne renvoie pas le dossier en face de la justice séculière, qui est compétente en matière de viol. L'officiel se contente parfois d'interroger, il se contente d'interroger le séducteur sur les allégations de la promise, qu'il y ait violence ou pas. Enfin, ça ne change pas. Donc, comme l'avait remarqué Jean-Louis Frandrin dans Les Amours paysannes, les processus de séduction sous l'Ancien Régime sont traversés par de petits gestes violents, des pincements, des bousculades, des torsions de bras, qui marquent l'intérêt du garçon pour la jeune fille. Donc on voit que ça s'intègre dans un ensemble un peu plus grand de comportements offensifs et violents masculins envers les femmes, qui semblent acceptés dans une certaine mesure par la société, considérés comme naturels et inhérents au processus de séduction et à la sexualité, et ça ne choque vraiment personne. Donc on a ici un ensemble d'indices d'une très faible sensibilité culturelle à l'usage de violence dans la séduction, dans le processus de séduction et dans la sexualité. Les séducteurs également assignés en justice, à qui on attribue l'usage de la contrainte, de la violence pour jouir de leur promesse, se défendent comme ceux qui n'en ont pas usé. Ils utilisent les mêmes stratégies et ne se défendent pas particulièrement de cette allégation de violence. Là, je veux très rapidement, parce qu'on ne reste pas beaucoup de temps, je vous affiche ici un autre cas, c'est le cas d'un serviteur chirurgien qui s'appelle Pierre Cardaillac. En juillet 1670, il est assigné dans une affaire qui l'oppose à Marie Martin. Et on lui demande dans son interrogatoire s'il a sollicité la demanderesse et fait tous ses efforts pour avoir sa compagnie charnelle, lui promettant toujours de l'épouser, qu'il était maître de ses actions, etc. etc. Il répond oui. Deuxième question, s'il n'est pas vrai qu'il l'a surprise et violentée en telle sorte qu'il a fait condescendre à lui permettre d'avoir sa compagnie charnelle, a dit oui. On voit là que Pierre avoue aussi facilement, assez facilement, d'avoir violé clairement sa promise pour sceller davantage un mariage qu'il essaie de formaliser avec une belle-mère qui est beaucoup plus fortunée que lui aussi. Donc on voit ici que ni l'officiel ni Pierre semblent considérer ce comportement comme un comportement criminel. Tant que Pierre accepte d'épouser Marie, de réhabiliter le mariage, la faute qu'il commet en couchant avec sa promise hors du cadre du mariage peut être achetée. La question de son consentement et du consentement de Marie n'est pas considérée comme importante ici. Donc on voit que la valeur pécamineuse de la sexualité semble apparaître pour les contemporains et les contemporaines bien plus importante et obsédante que celle du consentement féminin. La résistance... oui. Voilà, ce que je voulais... quelques mots pour conclure. Ce que je voulais noter par cela, c'est qu'en fait, ce qu'on voit dans ces archives et également dans les représentations iconographiques de la période, c'est qu'il existe une forte...
donc déjà une faible sensibilité par rapport à ces questions du consentement, mais également une érotisation du viol, puisque dans cet environnement les femmes doivent à tout prix défendre leur moralité, les hommes peuvent justifier des comportements violents en disant qu'ils répondent au désir caché des femmes, puisque de toute façon on ne peut pas lire leur consentement positif puisqu'elles sont obligées de refuser. D'où toutes ces représentations sur la feinte résistance, etc., qu'on retrouve dans ces textes. Donc pour qualifier, en fait, et je reviens à ma question, pour qualifier tout cela, moi je sais que j'ai utilisé dans mon travail doctoral la notion de culture du viol, de rape culture, qui est née dans un contexte militant, vous savez très bien, aux États-Unis, qui a fait énormément de débats sur la scène médiatique française, qui a suscité énormément de débats sur des chaînes comme BFM, etc. Voilà, donc, moi je plaide un petit peu dans mon travail doctoral, et je sais qu'en fait, de plus en plus de doctorants et de masterants commencent à s'emparer de ce concept en histoire et en sociologie, pour une réhabilitation peut-être, ou en tout cas de ce terme, qu'on pourrait définir comme ça, comme un ensemble de comportements, de croyances, un environnement qui véhiculerait de faux stéréotypes sur ce qu'est le viol, qui en donnerait une définition assez limitée, restrictive par rapport à la réalité, et qui contribue à érotiser le viol, mais aussi à minimiser la parole des victimes et l'expérience des victimes. Donc, voilà, moi je voudrais poser un peu ouvrir cette question-là en vous demandant si vous trouvez que ce terme métacognitif va être utile pour la recherche en sciences sociales. Voilà, je m'arrête là parce que j'ai largement dépassé mon temps.